Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va, je souffle un peu niveau chaleur. Même si dès demain, je crois que ça va être à nouveau trop pour moi. Mais enfin bon, on va profiter du temps qu'il fait sur le moment déjà. Je tenais à vous remercier pour votre engouement dans mes dernières vidéos. C'est super d'avoir plein de retours. Et puis aujourd'hui, vous voyez, on continue le junk journal. Je voulais aussi souhaiter de vive voix, parce que parfois j'oublie, la bienvenue aux nouvelles. Oups, il y a des trucs qui tombent. La bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne récemment. Voilà, bienvenue. J'espère que vous trouverez ici de quoi vous inspirer, l'envie de faire des choses et de me regarder pour un long moment. Je m'appelle Julie pour une très courte présentation. Je vis en Île-de-France. Je travaille à temps plein, donc c'est une passion de vous partager tout ça, mais ça me demande pas mal de temps sur mon moment personnel. Voilà, j'ai envie de le faire, hein, personne m'oblige bien sûr. Mais parfois il y a des petits décalages entre le moment où je mets la vidéo, le moment où il y a la description. Donc un tout petit peu de patience si jamais vous voyez que c'est vide, n'hésitez pas à patienter et ensuite je mets les choses à jour quand j'ai le temps. Voilà. Eh bien, c'est parti. Allez, on blablate pas trop. Je blablaterai quand je bricolerai, si je peux, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Et on va continuer. La dernière vidéo, c'était la petite enveloppe. Et puis, on va s'attaquer à cette petite page. Je pense qu'on va rester modeste aujourd'hui. J'ai envie de faire les choses tranquillement, sans me dire oh là là, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps. Donc on va rester modeste et puis on fera des plus courtes vidéos avec des pages à plusieurs endroits. Donc je vais avoir besoin de tout ça. C'était plus ou moins mis en place. Voilà, vous voyez que donc là on est sur une page de livre. Avec une magnifique, je l'ai choisi pour ça parce que donc c'est une histoire qui parle d'une Caroline, je crois. J'aimais beaucoup l'illustration là avec la maison. Voilà, ce serait même, je pense que je vais pas y toucher, hein, ça sera peut-être à colorier. Voilà, ça invite à ça. Là, il y a une petite enveloppe qui m'a été offerte dans un Happy Mail, donc je pense qu'elle trouve bien sa place ici, mais ça c'est plus loin derrière, donc on verra ce qu'on peut éventuellement y rajouter. En attendant, donc on va cacher ce mot Caroline qui se trouve ici. Et puis on va travailler donc sur cette page. Donc pour le bullet, j'ai pour le bullet, je vais pas y arriver, hein, chaque fois je me trompe. Pour le junk, donc j'ai utilisé pas mal de choses qui sont issues d'un livre là de botanique, on pourrait dire. Peut-être enlever ça pour y voir plus clair. Donc où il y a plein de fleurs, plein de d'illustrations super chouettes. Donc ça c'était un petit reste et je trouvais que ça se mariait bien avec les couleurs de ça, jaune, rouge. Donc voilà ce qui m'a fait choisir cette illustration. J'ai pris également une chute de papier de scrap, j'en ai mis plus loin, je sais plus où, mais du coup voilà, je me suis dit bah la chute elle était pas mal, je l'ai juste recoupée un petit peu, mais je la trouvais chouette ici, et donc ça va nous faire une pochette tout simplement qu'on va venir décorer. Et ça, donc j'ai cherché, je vous expliquerai tout à l'heure en la mettant, mais j'ai cherché dans mes cartes, enfin j'ai cherché dans ce que j'avais, ce que je pourrais glisser à l'intérieur, et je suis tombée sur ça, qui m'a rappelé une magnifique expo que j'avais vue. Je vous en parlerai tout à l'heure. Eh bien, c'est parti. On va tout simplement ancrer un petit peu cette page, au moins ce côté-là. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas du tout cousu pour le moment ma signature. Parce que c'est un premier junk, on va dire, avec plein de choses dedans. Donc je crois qu'il y a deux écoles. Hein. De ce que je vois dans les vidéos, il y a des gens qui vont vraiment faire leur signature assez vite et puis leur couverture et ensuite elles décorent.
je dis elle parce que dans le monde du scrapbooking, peut-être mis à part Tim Holtz, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de garçons. Hein. Il y en a peut-être, hein, si vous en connaissez. Il y en a sûrement un petit peu, mais bon, on est plutôt des filles. Donc oui, je pense qu'il y a deux écoles entre assembler toutes ces signatures et puis ensuite les décorer. Il y en a qui ont une imagination, enfin une habitude telle qu'elles peuvent avoir construit dans leur tête toutes les choses, c'est-à-dire même faire leurs embellissements en amont, enfin, et tout s'assemble à un moment. Je trouve ça juste dingue. Pour l'instant, les bricolettes, j'en suis pas là. Je sens bien que ça progresse, mais j'en suis pas encore dans cette aisance, on va dire. Comme je peux l'être dans d'autres choses. Mais c'est pas grave. Donc ça, je peux pas vous dire d'où ça vient, ce papier. C'est sûrement temple du scrap ou un salon création et savoir-faire au moment où on achetait les pages individuellement et qu'elles étaient à prix d'or. Mais bon, maintenant j'ai un peu moins de scrupules. Je coupe dedans et puis advienne que pourra. Est-ce que je mettrais bien un peu légèrement de vintage photo au fond quand même. Ça fait blanc, mais légèrement, très très légèrement. Non, encore dessus, non. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est mieux. Voilà. Bon, j'ai pas forcément de plan pour tout ce que je vais faire. Je pense que je vais faire. Qu'est-ce que ça donne si je fais la même chose sur ça? Je vais tester sur la partie que je veux pas garder. C'est mieux ça ou c'est mieux la oil de paper? Des fois je préfère celle-ci parce que elle est plus discrète. Oui. Là où il y a des illustrations, souvent je préfère la oil paper que je trouve beaucoup plus douce. C'est vraiment génial. Petite éponge, alors là. Donc, c'est du papier glacé, un peu. Hein. Donc, faut bien attendre que ça sèche. Il ne faut pas y toucher pendant un petit moment. Voilà. Je trouve ça plus sympa. Bon, après, là, j'ai pas mis, hein, mais bon. Pour cette page, en tout cas, je préfère. Ok, donc là, je pense qu'on va faire ça. Là, est-ce que je vais au ciseau? Peut-être prendre mon petit massicot quand même. Ça sera plus précis. Servir, hein. Tout peut servir. Ok, là, c'est très fin. Je vais y aller doucement. Est-ce que ça va bien vouloir? Comme ça. C'est comme ça, c'est bien de partir au milieu. En général, on a moins de mauvaises surprises. On pique
la pointe au milieu et on fait un petit va-et-vient dans les deux sens. Ça évite de venir accrocher ou que le papier soit emporté au passage. Et là, je vais mettre un petit peu. De vintage photo. C'est une grenade. C'est beau. Très chouette. Est-ce que je mettrais pas une petite étiquette? Ce serait pas mal, hein? Donc j'ai des micro-micro, j'ai d'abord pensé à ça, mais c'est peut-être un peu juste. Qu'est-ce qu'on va mettre? Imaginez avec ça à l'intérieur. J'adore là l'espèce de petite écriture rouge. C'est cela que j'aime bien. Hein. Que j'aime bien. Ça brille pas trop pour vous? Non, ça va. C'est pas mal avec ça, je trouve. J'en ai une un peu plus grande. Non, c'est trop grand. Donc ça me plaît bien. Là, j'ai plus clair. Non, je crois que je préfère ça. Pardon. Hein. Quand je choisis les étiquettes, oh là là. Si vous ne me connaissez pas, c'est. Allez. Je pense que ça va être ça. Parce que. Après, j'ai des trucs. Non, ça rajoute trop. C'est trop. Faudrait que je refasse des petits timbres, mais plus passe-partout, parce que j'avais fait des petits timbres de Pâques, c'était mignon, mais du coup j'ai du mal à les utiliser forcément, parce que Pâques c'est qu'une fois dans l'année. Alors après là j'ai des trucs. Non, allez, on ne va pas réfléchir 107 ans. Ça sera celle-ci. C'est tout. Celle de Michel, The Junk Journal Studio, ça aurait pu aller aussi. Hein. Donc ça. Et puis, donc j'ai testé tout à l'heure en rentrant. J'ai fait de la teinture avec des chutes de tissu. Un peu pour mon junk. Pour d'autres créations, donc j'ai pris plein d'encre Distress Ink, hein, celle-ci, hein, tout simplement, que j'ai tamponné sur une surface. C'est des espèces de. Je l'ai là, je peux vous le montrer. Je m'en sers jamais pour éviter de mettre des matières grasses au fond de sa poêle. J'avais acheté ça je ne sais où, je l'avais coupé en rond et tout à la taille. Bon. Et puis j'ai vu qu'il y avait des filles qui s'en servaient justement pour les angles, donc il faut. Machiner, enfin mettre de l'encre sur son support, pchiter de l'eau et en fait on vient trempouiller tout simplement les tissus dedans. Donc moi comme je fais de la couture un peu zéro déchet, bah, du coup j'ai souvent des petits bouts
de doublure en plus unie qui reste, les chutes. Et du coup, bah, j'en ai fait plein. Donc, je pense que je vais mettre un truc comme ça dans les tons de jaune, jaune-vert. J'ai pas fait de rouge pour le coup, mais j'en ferai peut-être si ça me plaît. C'est la première que j'avais prise, elle était pas mal. Et celle-ci aussi. Laquelle on met? Allez, la première qui est venue. Tac. Donc là, on va mettre ça ici. Peut-être avec une petite ma crocodile. Maintenant, je le mettrai après. Ça va traverser tout, je pense. Ok. Bon, je vais mettre en place ça. Colle. Alors, ça fait quelques jours que je n'ai pas pu scraper. Bah depuis dimanche, hein, que je me trompe pas. Depuis dimanche. Donc là, c'est l'ouverture, hein, donc je vais mettre de la colle ici, ici et là. Un petit filet. Tac. Voilà, ça va peut-être. Là, je l'ai découpé en rectangle et j'ai tout simplement, alors vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà montré, mais pour les nouvelles, donc c'est un punch comme ça que j'ai acheté chez AliExpress, non, chez Temu, et du coup j'utilise celui-là. L'aime beaucoup, je l'aime, je l'utilise même plus que celui qui fait les coins pour le moment. Ok, alors. Ah, j'ai pas beaucoup de place quand même. Oui, non. J'hésitais à me dire, je mets un petit tag ici pour faire un, deux, trois choses. Chiffre impair. C'est important. Ou alors un petit bout de papier, une petite chute de papier. On va faire ça. C'est pas comme si j'en avais pas, j'ai envie de vous dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le positionner comme j'ai envie. Ça ne me dérange pas qu'il déborde un peu de l'enveloppe. J'ai même envie de vous dire au contraire. Tout petit peu de vintage photo quand même. Voilà, à peine. Alors, un peu de colle. Alors là, si on voulait, on pourrait refaire une pochette. J'ai décidé de ne pas faire de surenchère avec des pochettes,
Mais on pourrait tout à fait, si vous vous aimez. Ou si c'est dans cette idée, mais dans un plus petit projet, ça peut être chouette. Allez, école. Ce n'est pas le repos. Donc là, il ne faut pas s'emballer parce qu'il ne faut pas en mettre là. Enfin, faut suivre la carte, quoi. Ça fait vraiment comme une carte bon point, un peu, je trouve. Donc là, il y a tout, je le fais parce qu'il y a toujours le blanc quand même, hein. C'est des petites étiquettes imprimées, donc toujours le blanc du papier. En fait, j'aime bien quand elle est archi pleine parce que sinon, faut toujours attendre. Alors là, comment on va mettre ça? Je pense que je vais déjà le coller. C'est même plus malin de le mettre sur le tissu. En fait. J'aime bien là ce côté un peu grungy. J'ai envie de développer ça. Ça me plairait bien. On va attendre un peu que ça sèche avant de venir avec la croupe d'ail. Et donc là, je vais glisser cette carte qui va devenir une carte peut-être de journaling, mais bon. Pour l'instant, je n'ai pas envie de masquer d'où ça vient parce que je l'avais gardé pour me rappeler le nom de cette dame, Marinette Cueco. Je pense qu'on peut voir son travail quelque part, hein. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller voir. Donc, c'est une dame, c'est une petite expo, enfin une galerie qui se trouve dans le 11e, pas très loin de mon ancien appartement, 6 Cité de l'Ameublement, Paris 11e. Très bien que j'aille voir ce qu'il y a en ce moment. Galerie Univers, et donc du coup, bon, vous voyez, ça date un peu 2019, mais je me rappelle très bien. Et c'est une dame qui fait des grands tableaux avec plein de fleurs, de feuilles, de tout un tas de végétaux séchés qu'elle assemble et elle en fait des tableaux. J'adore, j'avais adoré son travail, j'avais vraiment trouvé que c'était magnifique ce qu'elle faisait. Et puis, bon, au lieu d'avoir des tas de cartes qui servent à rien. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre et je trouvais que ça matchait bien. Ça matchait vraiment bien avec le style de cette page. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc on verra si je cache ou si ça reste juste comme ça. Pour le moment. Je ne sais pas. Donc on va tester. Alors attendez, faut que j'ouvre le bon tiroir. La croque d'ail avec tissu plus tout ça, tout ça. Je pense que ça le fait, mais on va quand même vérifier. Alors, on va le voir tout de suite en même temps. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cuivre. Mettre cuivre. Allez, viens ma petite mémère. T'es encore toute neuve. Hein. C'est une petite mémère qui n'a pas beaucoup travaillé encore. Alors j'ai vu quelqu'un l'autre jour retourner là. Oui, ça tourne. J'ai même pas lu la notice. C'est honteux. Donc je pense que selon le bidule qu'on met, il faut changer.
Oui, il y en a quatre différents. Faudrait que je lise la notice. Bon, ça a marché l'autre jour comme ça. Et l'autre côté? Ah oui. Il y a peut-être le côté bouton pression. Bah écoutez, faut que j'aille voir des vidéos. Et puis si vous avez une bonne vidéo à me conseiller, je vais lire la notice. Mais je me demande si elle n'est pas toute en anglais aussi. Hein. Ah oui, je vais quand même, si je vais quand même m'en sortir, je pense. Effectivement, on peut mettre aussi les pressions et tout. Pour la couture, ça peut être bien aussi. Hein. Ah oui, on a les diamètres. Bah, je vais pas me renseigner et me faire mon cours pendant que vous êtes avec moi. C'est pas très poli. Donc là, je pense que c'est le plus gros. Si j'ai bien compris. Est-ce que tu veux bien couper tout comme ça? Oh là là, ben oui, donc t'es quand même mignonne. Alors, il reste un petit peu, hein. Mais bon, on a quand même coupé du carton. Une épaisseur de tissu. Une autre épaisseur de tissu. Qui est en plus avec de la colle. Je pense que si ça avait été totalement sec, ça aurait bien coupé. Mais c'est impeccable, hein. Regardez. Voilà, et donc. Non, je pense que c'est le truc au-dessus. Au-dessus. Je me comprends. Hein. La partie pointe au-dessus. Et la partie ronde en dessous. Sinon, je pense que ça ne marche pas. Voilà, c'est écrasé de chez écrasé. C'est beau! J'adore! Et alors? Donc ça, tac, tac, j'aime beaucoup. Et ça, et là j'avais envie d'utiliser mes petits bidules, c'est pour ça que j'ai mis cuivre, parce que c'est ce que j'avais sorti. Donc, il y a cette petite feuille. J'ai sorti qu'il y a cette petite feuille-là qui est cuivre, que j'aimais beaucoup. Après, j'avais sorti cette perle jaune. Ça d'abord. Perle jaune qui me faisait penser un peu à ce que j'avais mis sur la couverture. Ah, c'est peut-être mignon. Est-ce que j'ai ça aussi qui a du rouge? Aller voir dans mes boîtes de c'est pas mal aussi si je mets les trois ça fait beaucoup hein. Trouvais que le jaune ressortait mieux moi personnellement après j'ai des petites argent un enfin, style argenté. Il est où le trou-trou? Non, c'est fadasse. J'aime assez ça. Comment je vais te mettre? J'ai du mal à les utiliser encore ces trucs-là. Comme ça. J'essaye une deuxième fois et puis je tergiverserai sans vous, hein, parce que c'est pas très passionnant. Ceci dit, on voit les filles qui ont l'habitude de le faire, on se dit, ah oh, bah oui, c'est trop mignon. Et puis quand on a le truc dans les mains, on se dit, bah oui, mais en fait, quand ils le mettent, ah, c'est mieux comme ça, je crois. Bon, en tout cas, pour le moment, ça va rester comme ça, les bricolettes. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette petite
tâches que nous avons fait ensemble. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là parce que si on part dans une autre, voilà, on est à 30 minutes, donc c'est bien. Ça fait une petite vidéo à regarder dans la semaine qui n'est pas trop longue. En plus, vous avez plein de brillants, mes pauvres bricolettes. Pourquoi vous n'avez pas crié? Regardez, je vous montre ça de plus près. Donc, cette belle illustration de Grenade. Avec notre jolie carte. Alors, je ne sais pas ce qu'elle avait fait sécher, hein, les choux. Et puis, le petit détail. Voilà, avec les petits trucs teints. Et pour le coup, le dos va rester pour le moment comme ça, en tout cas. C'est pas prévu autrement. Comme j'ai du vide, je pense que ça va pas abîmer les pages. Peut-être je trouverai une plus petite jaune, mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que là, c'est pareil, ça va rester vierge, pour le moment en tout cas. J'ai tendance à mettre beaucoup de choses. Ou alors, peut-être que ça sera voilà, juste un petit truc comme ça, je ne sais pas lequel. Parce que c'est vrai que j'en avais fait en pensant à mon junk. Enfin, voilà, peut-être quelque chose dans cet esprit. Pourquoi pas. Ça, c'est quand même très mimi. Avec le petit rappel du jaune. Pourquoi pas, en tout cas, mettre quelque chose comme ça sur cette page. Et puis, par contre, au dos, elle va être travaillée. Donc, je me dis que je vais d'abord travailler le dos. Ça sera notre prochaine étape. Et puis, j'ai déjà l'idée. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vais peut-être la tourner, d'ailleurs, juste après. Je ne sais pas. Il n'y a plus qu'à. Et une fois que j'aurai fait le dos, bah, on verra ce que je mettrai sur cette partie. C'est du cahier. Donc, on a des lignes. C'est possible d'écrire. Comme je ne sais pas trop encore à quoi je vais destiner ce junk, bah, c'est pas évident. J'ai tendance à vouloir en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est trop mignon. J'adore. Mais à quoi ça va me servir? Bonne question. Je ne sais pas. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vous laisse. Je vais continuer avec mes réflexions. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle soirée de 14 septembre. Je vous dis à très vite. Sûrement que la prochaine vidéo sera samedi ou dimanche, selon comment ça vient. Voilà, je pense qu'on continuera avec le junk, a priori. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous les bricolettes. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.